D'abord, l'image d'une skieuse aux anges qui s'est hissée sur la plus haute marche du podium. À 30 ans, Marion Roland est devenue championne du monde de descente en Autriche. Un événement dans le ski français. On profite de ces images, elle n'était pas favorite. La piste, une vraie patinoire. En dépit de ses deux handicaps, la Française a réalisé véritablement la course de sa vie. Aujourd'hui en Autriche, Rémi Guidicelli. Bien sûr, dans l'air d'arrivée, elle a connu ce bonheur extrême qui vient récompenser tellement d'années d'efforts. Marion Roland, l'inattendue championne du monde à 30 ans. C'est époustouflant, estomacant, ça enlève les mots et c'est génial. 5, 4... Des larmes après une lutte féroce, précise, sur cette piste verglacée de Schladming, fatale à toutes les Autrichiennes, mais domptée par la skieuse des deux Alpes. Le ski de descente ne s'improvise pas. La moindre erreur de trajectoire se paye lourdement à l'arrivée. Marion Roland, Dossard 22, évite tous les pièges, fait parler sa puissance. Derrière le micro, Carole Montillet, championne olympique en 2002 à Salt Lake City, est aux anges. Dans le camp français, un tel bonheur est communicatif. Pensez donc, 47 ans d'attente pour retrouver sur la plus haute marche d'un podium féminin de championnat du monde de descente, une Française aussi solide que Marielle Guatchel autrefois.